il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Nous, il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Je sors là du décès. Raconte-moi parce que tu m'as appelé là aussi. Man, je sors là du décès. Je suis... Regarde, ce que j'ai entendu là-bas, je suis dépassée. C'est-à-dire que quand le corps de la petite va sortir, je ne sais pas. Limite, on va ouvrir le cercueil. Limite, on va déchirer le corps. Arrête. Oh mon Dieu, je t'ai pas dit que je me demande d'arrêter. Donc il s'avère que Jésus, la grossesse qu'elle avait, son enfant qu'elle a laissé là, c'est l'enfant de son beau-père. Wow. Venez. C'est l'enfant du mari de sa mère. Non. Si. Comment non? Non, tu ne veux pas dire non, ça. Comment non? Donc il s'avère que le beau-père sont avec sa fille. Il savait qu'il couchait l'enfant. Et la mère savait. Oh, mais comme c'était le pratique, elle a étouffé. Quoi? Ton enfant que tu as de ton ventre. Parce que le gars voulait maintenir son pouvoir de qui se perd. Il y a des choses qui se passent comme ça. Maman, la mort. Toi, tu me parles de quoi? Il y a même pire. Mais moi je suis dure, moi je suis ma je n'ai jamais. C'était chaud là-bas, les autres pleurent ici, les autres menacent, les injures. Maman, il y a eu la casse. Et c'est qui. Non. Oh, regarde, je te pas, j'ai lâché le bruit. C'est qui me dépasse. La mère était sereine. Tu sens qu'elle sait. C'est qu'elle va dire, hein. Oh non, l'enfant aussi était trop têtu. Ah! Ton enfant était têtu. C'est maintenant les cousines, tu sais que ça nous dans, oui, dans la bière. Oh non, elle faisait la jalousie à son enfant. Il savait que son mari damnait sa fille. Et elle savait que le mari damnait sa fille. L'enfant qu'elle a laissé portrait craché de son beau-père. Maman, il fait ça depuis. Maman, tu expliques ça comment? Mais il fait ça depuis. Oh, maman, il dame l'enfant depuis. Elle meurt à 20 ans. Maman! Un bébé! On te dit que son garçon qu'elle a laissé typique le visage du beau-père. Vous expliquez ça mais comment? Aussi. Donc depuis que l'histoire a commencé là, non. Sinon pas les gens autour, même les femmes avec les foyers, je suis dépassée. Attends, tu sais qu'il te touche ton enfant comme il te touche toi, mais comment tu restes dans le mariage là? Je ne comprends pas. C'est quel vampire? Elle était au courant, c'est que vraiment. C'est quelle soif? La soif là, c'est au tout propre, votre propre sang. J'ai écouté des histoires, mais ça là. Maman, fallait voir quand le père est venu pleurer. Ah non. Et là même, j'étais obligée de lâcher les larmes. C'est quand on écoute gens dans les films, j'ai là en tellement difficile. Maman. Attends. Le père s'est enroulé, mon enfant. Pourquoi tu es parti? Il paraît que c'est le père qui gardait l'enfant. Tu connais la mère, non? Oui. Oh non, ma fille, je veux ma fille. Le père, il paraît qu'il a pris l'enfant depuis l'âge de 6 ans. Il a envoyé l'enfant seulement l'année passée. Respect la mère qui dit, ah, comme ta mère dit que je te séquestre, va une année chez ta mère, on va d'abord voir ce que ça va donner. Si tu te sens à l'aise, tu restes. Au pire, tu reviens. Un an seulement qu'elle a fait chez sa mère. Elle est là. Un an seulement qu'elle a fait chez sa mère, maman. Voilà l'enfant. Là. Dès que le beau-père a vu l'enfant, il a vu en elle la femme comment. Non, 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 tous les soirs, il y a des gens qui se passent. Il y a des gens comment il est assis avec ses parents. Au dessin, ils étaient en blanc. Habillés en blanc, ils étaient là au dessin. Maman, j'avais la chair de pourri. Regarde le vent qu'il y avait, le vent qu'il y avait. Tati, tu sens que l'esprit de l'enfant s'est baladé seulement. Ça, c'est juste parce que quand j'arrive, j'attache mon foulard. Maman, les esprits attrapons nos enfants. Ah, attrapons nos enfants. Ça me fait tu m'as me lavé, pardon.